Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry Challenge. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes sur Twitch, hein, et on retrouve Pulco et Bordeaux. Bordeaux qui pleure. Bordeaux qui pleure. Malheur, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il y avait qui était mort déjà? Je sais même plus. Bref, il y a quelqu'un qui est mort et il est triste tout, nous choupi. Sachant que notre Bordeaux national, il est président, ça y est. Oh, et pourquoi ça rame maintenant? Tout à l'heure, j'ai joué, j'avais aucun souci. Oh, ça m'énerve. Notre Bordeaux national est président, ça y est, hein, il est le plus beau, le meilleur, niveau 10 du signe politique. Donc voilà. On s'intéresse maintenant à Pulco Citron, puisque c'est lui, maintenant il est en âge. Oh là là! Ouh, ce ramage! Qu'est-ce que tu m'énerves, péché de mes couilles! Pardon. Donc il est en âge de ouf de faire ce qu'il faut. Donc on va s'en occuper. Il a beaucoup de choses à faire, ce petit, à apprendre. Il a trois compétences à maîtriser. Vu qu'on doit faire la fuséologie au niveau 10, le bricolage au niveau 10, et comme on doit réaliser son aspiration, eh bien on doit avoir la logique niveau 10 aussi. C'est génial. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ah, ça fait du bien. Ouais, le pipi, ça fait toujours du bien, mon petit. Ça, c'est clair et net, hein. On va pas se cacher. Salut Caravaggio, salut Angel. Vive le président. Oui, en plus c'est un beau gosse, hein. Hey. Vous avez vu? Bon, là il est tristoun, mais il est quand même beau gosse, hein. Moi, je pense qu'avec un président pareil, avec des cheveux flamboyants comme ça, celui qui fait l'amour à la terre entière, je pense qu'on n'y perdrait pas. Hein. Est-ce que t'as encore le temps de manger un truc? 2 minutes. T'as rien dans ton... Si, t'as une banane. Vas-y, mange une banane. Mange une banane, ça va aller mieux, ça va te caler. Voilà, regardez-moi comme il a bien remonté. Tu vas aller travailler, regardez-moi ça, ces deux beaux gosses. Oh là là! Oh là là! Oh mince! Ils ont déjà disparu. Et attendez! Mais excusez-moi, je voudrais. Ils travaillent dur, c'est bien. Et toi, tu vas travailler, tu vas réviser aussi assidûment. Ça sert à rien, de toute façon, de. On est prise d'épilepsie, hein, aujourd'hui. Parce que bon, comme ils seront pas avec nous, ben. On attend que le temps passe, quoi. En attendant que Pulco rentre, vu que c'est lui notre priorité maintenant. L'arbre, il est. Les notes sont en hausse et... Ah, il revient en même temps, à la même heure. Oh, c'est rigolo, ça. Qu'est-ce qu'il a? Il est toujours triste. Et tu me casses les poètes-poètes. Hein. Ouh là là. Alors, nia, non, c'est ça. Tu vas appeler. Tu vas appeler. Mais t'as pu. Tu vas mettre à jour ton truc. La perte d'un être cher, c'est tellement triste. Je pense, eh ben, il peut plus appeler machin, les SOS Tristesse. Ah si, c'est là. Oh, j'avais pas bien vu, excusez-moi. Alors, mon chou. Oh, t'es dans tous tes états, tu commences à me péter les noix d'ailleurs. Ouais, il me pète toujours les noix, moi. Ils sont chiants, en même temps, c'est normal. Ouais, ah, la vie, elle est dure, bordel. Allez, 425 abonnés pour Bordax. Oh mon Dieu, ça y est, il va nous faire un concours de prout, lui. Je le sens. Bon, tu peux des. T'as appelé SOS Tristesse? Ah oui, vas-y, ça va être court, hein. Qu'est-ce qu'il a encore? Embarrassé au travail. Merci beaucoup, Brian, pour le follow. Et bienvenue à toi. Ah, ça, je t'avais pas vu dans le chat, Sally. Il a donné de sa personne, au moins. Bordeaux, un vrai président qui a couché pour y arriver, c'est ça! Lui, pour le coup, il est vraiment passé sous le bureau, hein? Ou alors on est passé sous son propre bureau à lui. Ouais, tu peux aller regarder la télé aussi avec ton petit garçon, hein? Enfin, ton petit garçon. Qui va faire un concours de paix, le petit, hein? Ouh! Et merci Paris Simmers pour le follow et bienvenue à toi aussi. Que je suis comme les voisins de Brodo des deux Pulco. Oui, j'ai vu ça dans ton commentaire. T'es un voisin-zin, c'est ça, Quentin? Pulco Citronade, Pulco Citronade. Bah, écoutez, hein, c'est vous qui avez choisi le prénom. Hein. Moi, j'y suis pour rien pour l'histoire. Hein. Et il a une super veste Moschino quand même. Attends, pour une fois que je l'utilise, ce serait peut-être la seule fois que je l'utilise sur mes Sims. Alors, vous voyez. Hein. Les petits minous. Vous avez vu, j'ai sorti ma.
Ma guirlande de Noël, ça clignote derrière. Ce sera la seule décoration que vous verrez. Attention, hein, je ne suis pas très Noël. Cette année, finalement, je reste chez moi. Donc, ce sera un live le 24 au soir. Voilà. Sûrement sur Twitch. Hein. Si vous vous emmerdez, je serai en live. Si le foie gras vous dégoûte, et vous avez bien raison, et que vous avez les dents du fond qui baignent, je serai sur Twitch en train de live. Voilà. C'est un avant-gardiste. J'ai envie de dormir 5h30. Bah fais... T'as pas fait de sieste, Quentin, depuis 13h30? Non, t'as de la volonté, hein. Bon, alors, mon petit pulcote. Bon, attends, j'arrive pas à trouver les toilettes. Ah oui, c'est vrai qu'il est maladroit, ce nunuche. Bon. On va le remonter un peu. Il va faire ses devoirs. Et tu vas faire... Beaucoup trop tendu. Ah, il va rien pouvoir faire. Oh, les ados. Hey, d'ailleurs, tu vas... Course d'endurance. Allez, va courir. Comme ça, tu perdras ton gras. Je dis ça, je devrais faire pareil. Hein. Oh, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de ma gym, là. Putain, j'abuse. J'arrive pas à me lever le matin. En même temps, c'est pas de ma faute. Hein. Cette nuit, je me suis couchée tard à cause de qui? À cause d'Antoine Daniel. 2h du matin, j'avais pas fini de stream. Et moi, j'étais là, j'étais... Je veux regarder. Donc du coup, quand j'ai regardé un truc encore après, bah putain, je suis fatiguée. À chaque fois que j'entends Pulco, j'ai l'écho de la pub. Pulco, Pulco, Pulco Citron. Eh oui. Eh, il y avait Citron. Les deux prénoms, c'était Pulco et Citron en finale. Donc, vous avez voté, vous avez choisi Pulco. Tu bug. Ah bon? Ah non, mais dites-moi pas ça. J'ai aucune perte, moi, apparemment. Tu le fais passer sous le bureau, Pulco. C'est vrai que la veste, à part Pulco, je vois pas. Ah oui, tu vois. Hé, hey, salut Trépignage, je t'avais pas vu. Moi non plus, je suis pas très Noël. Bah, c'est pas que j'aime pas. En fait, je m'en fous. Voilà, c'est vraiment un truc, je m'en fous. Si je peux faire quelque chose, ben c'est cool. Si je fais rien, ben c'est cool. C'est le nouvel an, par contre, j'aime pas ça. Je trouve ça des cons. Voilà. Je veux pas qu'on m'impose d'être heureux ou de faire la fête à ce moment-là. Je suis désolée, moi, je peux faire la fête à n'importe quel moment de la vie. Hein. Enfin, sauf quand il y a des jours où j'ai moins la foi, mais. Il y a des jours où j'ai moins la foi. Bon, tu te débrouilles, hein? On va jamais faire tes devoirs, là. Quentin. Ben non, Quentin, on va pas te voir, non. Désolé, Quentin. Non, tu bugs pas. Bah, Céline a dit que je bug. Céline, il faut refresh, peut-être. C'est bizarre. Bon, tu changes des idées, là. Il me casse les pieds, là. Qu'est-ce qui... Va faire un truc devant le miroir, j'en sais rien, là. Va te calmer, ouais. Ah, ça y est, ça s'en va. Ah non, parce que là... Là, il est joueur. On va pouvoir enfin faire nos devoirs. Enfin, ses devoirs. Mais regardez, il a vachement perdu, hein. Ah bah, il est hystérique, mais c'est pas possible. Il va tout nous faire, lui. Hein. Par contre, il est vraiment pas très bien gaulé. Donc ça me fait un peu chier, parce que ça, voilà, il est pas très très bien gaulé. Il a bien perdu, mais il est pas bien gaulé, à moins qu'on essaye de lui travailler les épaules. Mais fais tes devoirs voilà. Bon, bien sûr, mais lui, il est parti se coucher. J'allais dire, je laisse Bordeaux se gérer, mais Bordeaux, arrête de faire n'importe quoi aussi, un peu. Hey, d'ailleurs, il y a une... Mais non, je suis con. Il faut faire le bricolage, donc c'est Pulco qui va réparer la douche. Oh, je vais y arriver. Avec ses boucles d'oreilles vertes. Non, non, c'est pas moi qui lui ai mis. Hein. Oh, c'est Jean-Pierre qui nous invite. Ouais, mais Jean-Pierre, c'est fini maintenant. On n'a pas le moral, là, pour... Ah si, ça y est, maintenant il a le moral. Faire touche pipi. Je déteste ce nouvel an. Les seuls nouvel an que j'ai passé de bien sont ceux où j'étais peinard chez moi. Mais tellement, Alexa. En fait, j'ai fait une seule fois le nouvel an à Paris. C'est tellement la merde. Bon, j'étais avec une amie qui a tellement pris du temps à choisir ses fringues qu'on est parti de chez elle hyper tard. Ça fait que quand il était minuit, bah, on était dans le métro. C'était super. On était en sous-terre, tu fais ok, d'accord. Et puis on a été à une soirée, au final, on avait traversé tout Paris pour aller à une soirée dans un lieu où il n'y avait pas d'ambiance. Donc on est reparti aussi sec et on ne pouvait pas reprendre le métro, ce qui c'était vers les Champs-Élysées.
Du coup, ils avaient tout bloqué, les arrêts de métro. On pouvait en sortir, mais on ne pouvait pas y monter. Donc, on a dû marcher. On a dû se taper tous les Champs-Élysées. Alors qu'il était à peine minuit, minuit et demi, à tout péter. Et donc, les gens étaient complètement torchés, à hurler. Et ça commençait à partir en... Bah, de toute façon, dès que s'il y a eu quelque chose d'une fête, entre guillemets, nationale, t'as tout le monde qui bourrait à n'importe quelle heure. Donc, c'est juste impossible. Et j'ai dit, moi, c'est fini. C'est soit je suis chez moi, soit je suis chez quelqu'un. Et j'y reste pour la nuit. Bah, même si j'aime pas dormir chez les gens, parce que j'aime bien être chez moi. Voilà, c'est un délire que j'ai. J'aime pas dormir ailleurs que chez moi. Sauf si je suis très loin. Mais si j'ai la possibilité de rentrer, comme si je suis en région parisienne, ça me fait chier de rester chez quelqu'un, j'avoue. Et en fait, voilà, j'ai dit plus jamais. Après, bah, j'ai complètement arrêté. Maintenant, je me fais une bonne pizza, du coca et des films. Mais cette année, ce sera du stream. Voilà, parce que maintenant, je peux streamer. Voilà, c'était l'instant la vie de Shirley. J'ai mes petits rituels, moi, le 31 décembre et tout. J'ai mes pâtes au saumon le midi et la pizza le soir. Ah, ça, c'est bien ça. Pulco, l'ascenseur émotionnel, c'est ça. Alors, Céline, comment on rafraîchit? Vous pouvez lui dire qu'il faut faire F5, tout simplement. Mais oui, il y aura une rediff sur YouTube, évidemment. Tiens, hop. Et la douche, elle vaut 1400, hein. Enfin, la réparation, elle est à 1400. Hein. C'est énorme. Hé, mon chou. C'est bien. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder son petit truc. Tu vas te redoucher. Il est quelle heure? Ouais, après, tu vas te coucher. Bon, bah, la journée aura été vite passée. On n'a pas vraiment avancé sur ses compétences. Hein. J'avoue que... Pff, à part le faire du sport pour qu'il perde un peu son gras. C'est comme ça. C'est pas grave. Demain sera un autre jour, j'espère. Un autre jour, on pourra avancer sur la fusée ou sur le bricolage. Mais bon. Et la logique qu'on n'a même pas encore commencé. Je passerai le 24 te faire un coucou. Oui! Bah, après, si vous faites quelque chose, vous n'avez pas besoin de venir. Hein, mais effectivement, j'aurais que ça à foutre. Donc. Nouvel an de l'horreur que tu as vécu, mais je comprends, c'est pour ça que je ne fête plus. Voilà. Puis moi, j'aime pas. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt de changer? Ouais, on change d'année, mais si, c'est super! C'est un nouveau chiffre en fait. Toutes les secondes, on change de chiffre en fait. Donc, alors moi, tous les minuits de l'année, tu pourras m'entendre dire bonne année, mais sauf ce jour-là. Et en général, de toute façon, j'aime pas qu'on me le souhaite parce que c'est tellement focus, cette histoire de bonne année. Je veux dire, et la plupart des gens, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Et ils envoient un texto qui est complètement général. En fait, moi, je réponds pas. Et les gens qui me connaissent bien, s'ils me connaissent bien, ils vont pas être vexés. C'est-à-dire qu'ils vont m'envoyer un message et je réponds pas. Parce que c'est pas que je leur souhaite du malheur, c'est que moi je leur veux du bonheur tout le temps. J'ai pas besoin de leur dire qu'une seule fois par an en fait. Donc voilà, c'est juste ça la différence. C'est méga focus et pff, je supporte pas. C'est vraiment le pire du pire. Moi le 31 décembre, oh là là mon Dieu, c'est quand je bossais, c'était je rentre direct chez moi, mais direct. D'ailleurs, j'aimais bien travailler le 31 décembre parce qu'il y avait personne au boulot, c'était trop cool. C'était trop bien. Tu finissais plus tôt en plus parce que les bureaux ils fermaient et tout. Et ah tu rentres et tout, t'es bien. Limite, il fait jour quand t'es chez toi, tu fais ah, c'est trop cool. Et voilà. Et après, tu passes ta soirée tranquille et tout. Ah non. Finalement, j'aime bien le 31 décembre, mais pas pour les raisons que les gens aiment, quoi. Merci Céline pour mes minous. Ben, t'as Dex qui dort là et Titi qui est là, qui dort, qui est à moitié en train de dormir. Le nouvel an de l'horreur. Bon après voilà, je ferai. Qu'est-ce que je ferai? J'en sais rien. Je verrai. Je créerai peut-être une partie ou un truc pour jouer. Maintenant, il n'y aura pas beaucoup de monde, je pense. Ah oui, ce que j'allais dire. Lui est déjà levé, il pleure. Mais il casse ses pieds, hein. Encore 11 heures à chouiner là? Sachant que ça va être encore l'hécatombe, je le sens. T'iras te donner des paroles d'encouragement après là. Pulco, Pulco, tu vas pisser. Déjà, tu vas aller aux toilettes ici, parce qu'après il va être pris. Et après tu vas manger. Ça sert à rien là. Tu parles pas à ton père, on s'en fout. Oh. Bon bah, t'iras réparer les toilettes après, hein. Ça va être un homme à tout faire, celui-là. Je vous le dis, Pulco, on va faire tout avec lui, hein. Mais toi, t'as pas fini de manger? Un steak végé en plus. Trop bien. C'est pour ta maman. Tu penses à ta mère quand tu manges un steak végé? Oh, il doit déjà aller en cours. Non, c'est bon, mais. Va faire les toilettes, c'est pas grave. Je préfère que tu apprennes un peu comme ça. Oh, bah, ça a été rapide. Oh non, il est vraiment mal gaulé. Hein.
Mazette! Oh là 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 là! On va lui acheter une machine de muscu, hein, c'est pas possible. Je vais tenter de. Oh, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Il bosse pas, lui, aujourd'hui? Oh non, il bosse pas! On va devoir se le taper! Non, mais je l'aime beaucoup, Bordeaux, mais il me casse les pieds un peu. Non. C'est juste que comme j'ai fini ce que je devais faire avec lui, sauf le marier en tant que personne âgée, bah j'ai plus grand-chose à lui faire faire en fait, donc. Tais-toi. Eh ben, tu te calmes quand même, allez! Oh, ça suffit, oui! C'est quoi ces manières-là? Qui c'est ce président qui, un mercredi, ne travaille pas, là? Alors, qu'est-ce que c'est ce bordel? Phew, on va aller voir sur le PC, tiens, on va faire des trucs sur le PC. Ah! Saloperie de caméra. Réseau social! Tu vas aller consulter les réseaux sociaux. Plus de choix. Non, bah non. Je sais plus ce que je fais. Réseau social, tu vas partager une photo? Oh non, pas encore un mort, hein. Ah non, c'est bon. Ce ne sont que des mots. Ok, c'est bien. J'avais dit le lundi et le jeudi, il allait faire connaissance, donc je pense que là, il travaille. Non. Révise assidûment, s'il te plaît, mon petit. Ouais, il va s'occuper de ses réseaux sociaux, on s'en fout. Ah oui! Et oui! Bon, je pense pas que ce sera pour aujourd'hui, hein. Le fait que. Mais quand il va approcher de l'adulterie, 6 jours, bon, très bien. Bon, bah d'ici le prochain live, j'aurais posé la question sur l'onglet communauté pour savoir si on part à l'université, si on fait l'université avec Pulco ou pas. Pour savoir, pour voir, en fait, c'est dans la carrière d'astronaute, quoi. Merci Céline, c'est gentil. Enlever le lavabo et mettre à la vaisselle. Ouais, mais. C'est pas là? Non, ben non, je l'ai pas, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on a de l'argent, on a 50 000 simflouz, ça va. On va mettre à la vaisselle, allez, on peut se le permettre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là 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 là! Toutes ces choses. Et toutes les trucs qui traînent. Le vieux PC qu'on avait acheté pour Paper et tout, regardez-moi toutes ces conneries qu'il y a. Il y a un lit, il y a un petit couffin, il y a un sapin, tout va bien. Ça, c'est les trucs qu'il a fait, Pulco. On va les vendre, on s'en fiche. Hein. On peut se permettre. Mais il y en avait combien? Hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Lave-vaisselle. Là, 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 là. Comment vont mes fantômes? Ben, ils font toujours chier. Tu peux nous montrer tes pieds, oui, bien sûr. Ah, si tu veux, hein, tu vas avoir une surprise, parce que vu la tronche de mes chaussons, tu t'es pas prêt de voir mes pieds, hein, je te le dis. Hein. Mais moi, je les aime, mes chaussons. J'ai les plus beaux chaussons du monde. C'est magnifique, les fétichistes, hein, qui se baladent comment ça s'appelle? Sur le Twitch. Je vais lui prendre, c'est une machine de torture, du coup, pour qu'il fasse sa gym. On n'aura pas besoin de se déplacer à chaque fois. Eh, on pourrait faire station de robotique. Ouais, mais c'est la robotique. C'est la robotique. Oh punaise, le machin. C'est dommage parce que si c'était du bricolage, je lui aurais pris, mais c'est pas du bricolage. Alors, qu'est-ce que quoi? Machine de sport. Sport, sport, sport. Ça, ce genre de truc-là. Ça, celui-là. Voilà. Ils vont s'y mettre, ça va être des beaux gosses. Vous allez voir. Oh, j'ai pas mis la couleur. J'ai pas mis la couleur. Vous allez me crier dessus. J'ai même pas fait attention. Oui! Oh, je vais la mettre en jaune. Enfin, elle fait orange. Enfin, c'est parfait entre les deux, entre rouge et jaune. À petit pois. Et voilà. Salut Marie! Allez, STP. Voyez YouTube, il y a quelqu'un qui me demande de montrer mes pieds. C'est intéressant hein, dans la vie de savoir la gueule des pieds de quelqu'un. Bon bah Bordeaux va faire sa vie. On va le regarder faire sa vie. Il vit dans combien de temps lui? Dans 14 jours, on a le temps. Allez, s'il te plaît, on vient de te mettre un lave-vaisselle. Non, non, vas-y.
Oui, bravo! Bordeaux, ça y est, je sais plus. Beau gosse. Tu peux t'habiller au moins, je sais pas. Si on t'admire, qu'on t'admire un peu habillé, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est super drôle la vie. Qu'est-ce qu'on se marre? Au moins les chaussons. Vous voulez voir vraiment les chaussons? Allez, je vais vous faire voir les chaussons. Il faut que j'enlève mon plaid et tout. Attendez, moi je suis partie dans un délire. Vous n'êtes pas prêts. Est-ce que je vais réussir à lever la jambe aussi haut? Ça, c'est ça le souci. Ah putain. Oh! Attention. Non, vous ne rêvez pas. Attendez, je vais aller plus loin. Voilà les chaussons. Oh putain, c'est super haut, sa mère. Voilà. Je vais montrer mes pieds. Attention Marie, attention Marie. Nightbot, il t'a tapé dessus. Oh, la violence de Marie. Très mignon, ces licornes. Et oui, 5 euros seulement à Primark. Voilà, ça remonte à quelques mois. L'année dernière, je les ai depuis au moins un an. Elles sont trop cool. Alors des fois, en fait, je m'amuse, je joue avec Tyrion. Et je fais avec mes pieds, je lui fais comme ça. Et lui, il attaque la licorne, quoi. Ça, c'est trop rigolo. Mais bon, on se marre bien. J'étais sûre que c'était des licornes. Ben oui! Ah bah, c'est... J'ai trois sortes de chaussons. Les licornes, les Game of Thrones, qui sont juste écrits Game of Thrones, et Friends, voilà. Vous voyez un peu... Vas-y, vas-y, mon petit, fais-moi le... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vous avez entendu? Il a fait... Oh non, il est beau! Il parle français, il a compris, il m'a entendu! Bordeaux m'a entendu, je suis choquée! Oh my good! Je suis choquée! Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la danse. Non, je sais pas, fais quelque chose. Entraîne-toi là, là-dessus. Qu'on mate quand même quelqu'un, un beau gosse là. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Qu'au moins ce soit utile, hein, parce que là, on se fait chier un peu. Moi j'ai des Pikachu et des espèces de pandas ratons laveurs. Ah bah voilà! J'ai pas de chaussons. Oh! Sur YouTube, je me demande qu'il se passe en commentaire. J'ai pas compris, Kanteng. Bon, tu sais, moi, les commentaires en ce moment, c'est proche du néant sur certaines vidéos, mais même le Dekez. Je dis, c'est cool. Ça va? Ils sont où tes pecs là? Je les vois pas tes pecs, moi. Hé! Voilà, c'est bien pour travailler les épaules, ça. C'est bien. Y a plein de bestioles qui font plein de bruit. Quelle mauvaise abonnée je fais. Faut que je regarde des clés. Ah, t'es encore à la bourre, Marie. C'est pas bien. Même moi, j'ai rattrapé le tien. C'est pour te dire. J'ai mis le temps hein, avant de regarder, hein, punaise. Oh, mais ça y est, j'ai tout vu. J'ai hâte de la suite d'ailleurs. Hein. Non, mais depuis le temps que t'as commencé, ça va faire un an, Marie. Hein. T'as remarqué que l'espace entre les vidéos s'espace de plus en plus. Bravo Pulco! Il a A de moyenne! Oh bichon! Bah, il est tendu, bah tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes, tu vas jouer à la frénésie des fêtes, vas-y. Va te détendre. Voilà, il est joueur. On va lui monter sa comp, c'est son divertissement. Piou-piou! Je la tourne. Ah, cool! Belle évolution de la musique sur le calendrier, mais il manque les Sims 1. Ah, Quentin, il s'en fout de la vidéo. Lui, il fait: Ah, c'est la musique, ça! Ah, tiens, on est passé à la musique des Sims 3. Ah, on a la musique des Sims 4. Ah, j'ai pas toutes les musiques. Hein. D'ailleurs, une fois que j'aurai fait le tour, il va falloir que je trouve d'autres musiques. Hein. Sinon, ça va tourner en rond. Quentin, il va pas être content. J'avoue, je ne laisse pas souvent de commentaires, mais il faut vraiment que je fasse un effort, que je m'améliore dessus. C'est pas. Non, mais Alexa, c'est pas que toi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. C'est tout le monde, c'est un truc général en fait. Même au niveau des vues, au niveau des kids, putain, c'est de pire en pire. Hein. Je crois que ça intéresse plus les gens, je sais pas. C'est moi, je me pose des questions sur moi-même. Je dis, est-ce que je fais de la merde? Je sais pas. J'avais vachement, les gens étaient vachement enjoués, et maintenant ils le sont plus. Je sais pas.
Tant pis, hein. Écoute, moi, je vais continuer parce que c'est mon truc, c'est mon kiff, mais. Voilà, hein. Écoutez, hein, si ça plaît plus, ça plaît plus. Hein. Tu vas arrêter? Tu vas manger? Tu vas pisser? Et une fois tout ça, tu pourras faire tes devoirs. Hop. On est mercredi. Oh là là. Et s'il reste encore un peu de temps? Son père, il est pas sous la douche, quand même. Il est où, son daron? Ah, ça aurait été monté. J'ai eu peur. Et... Ah bah voilà, on arrive juste pour le prout. Hein, forcément, hein, c'est le plat à prout, alors forcément. Et après, on lui fera un peu travailler, bricolage ou physiologie. Bon, bah, ça va être concours de prout, hein. Lui aussi, il mange des haricots saucisses. Attention, hein. Faut que je commence à regarder le Decay Channel, mais pfiou, mais il y a... Bah, c'est Sianana qui s'est tapé tout le Decay en une semaine. J'étais sur le cul. Salut, Linette! Ah, t'es adorable, Linette. Merci beaucoup. Mais non, quand je regarde, je vois où je veux mettre les salles. Ah, c'est bien ça. Un concours de prout, oui. C'est ça. Allez, Pulco, boss. Arrête de péter. Tu ne tapais pas Abigail. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans le... Il n'y a pas un des Sims qui est, un des héritiers qui doit être crasseux? Attends, des générations prunes, génie et de s'engager, machine à danser, malveillant sur de l'huile glouton. Soignée, froide, créative. Waouh, super. Ah, non, il y a gourmand, paresseux, pite, délicat, geek, joyeux, morose, perfectionniste, proche de sa famille. Ah non, il n'y a pas crasseux. Oh, je suis tristesse. Tu fais tes devoirs, s'il te plaît. Dépêche-toi, j'ai des projets pour toi. Ton père, il fait sa life, il danse s'il a envie. Mais j'allais dire, depuis tout à l'heure, c'est rempli là. Allez, tu vas me faire un meuble, un guéridon. Voilà, tu vas faire un petit peu ça. Et après, tu feras un petit peu de la fusée. Arrête avec ton téléphone, t'as pas d'amis, arrête. Fais pas croire. Ah, il y a Maxime Blanc, il est devenu un jeune adulte. Emma Garcia, qui est jeune adulte. Coquelicette. Hé, hey, attendez! Chantal, c'est qui ça? Chantal Red. Il y avait Coquelicot, il y avait sa femme aussi. Elles avaient eu un bébé, là. Attendez, on va aller voir. Alors. Ok, Coquelicot. Alors, elles ont eu une fille, Sophie, et elle a les cheveux rouges, comme Coquelicot, avec Jonathan, bien sûr, qu'on avait nous fait nous-mêmes. Hein. Voilà, l'arbre généalogique, il n'est pas énorme pour l'instant. Hein. C'est normal, c'est le début. C'est le début, donc il n'y a que Pepper qui est décédé. Il n'y a déjà plus la tronche de 7, hein. Lui, il a disparu par contre. Hein. Je suis là depuis le début, mais je suis assez silencieuse et impolue. Si je n'ai même pas dit bonjour. Ah, oh, c'est pas grave, Lunette. C'est pas grave. Oui, c'est moi. Bah oui, c'est Anana, elle s'est maté le décaisse en une semaine, quoi. J'étais affolée. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, là, genre hier ou il y a 2 jours, max, c'est « Oh là là, j'ai la flemme et tout. » Je suis, bah, personne te demande de tout regarder, quoi. Enfin, je veux dire, tu regardes si t'as envie de regarder, hein. Moi, je sais que les épisodes où j'ai le plus de vues, c'est quand je passe une décennie. Il y en a, ils regardent un épisode dès qu'il y a une décennie qui est passée, quoi. Ils s'en foutent du reste, hein, donc. Voilà. Oh là là, la gueule du truc qu'il m'a fait, lui. T'es vraiment pas doué, hein, mon petit. Hein. Allez, c'est bien, tu fais un peu tout ça. De toute façon, même si, peut-être qu'aujourd'hui, je vais lui faire envoyer postuler à des universités. Comme ça, après, je verrai avec vous, avec les abonnés, si effectivement, si vous êtes pour ou contre. Mais au moins, on aura déjà postulé et on n'aura pas à attendre, quoi. C'est ça qui pourrait être bien. Parce que vu qu'on va sortir, il va sortir des cours, il aura 40 ans. C'est très logique, dans les Sims. J'adore l'ambiance du décès de toi, ouais, moi aussi. Comment t'es méchante. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'avoue, j'ai maté pas mal d'épisodes en x2. Ah, tu t'appelles Marie, toi aussi, alors. C'est le meilleur moyen de rattraper vite, c'est plus rigolo. Non! C'est même pas vrai.
Un pêche maladroit comme il est capable de faire une fusée qui décolle pas. Pour l'instant, elle décolle pas. Maman grenouille, elle va décoller un jour. Oh, il est minuit. Ah, vas-y, va te coucher. Faudrait pas non plus, et ça reste un adolescent, hein. Merci Métatron 59221 pour le follow. Mais alors 59221. Est-ce que tu es de la région de Lille? Parce que je connais pas le code postal 221, je le connais pas. Mais merci. Si t'es drôle en x2 plus que d'habitude, je veux dire. Je crois que dans un épisode, j'avais parlé comme ça pour ralentir. Mais j'avoue, j'ai jamais regardé ce que si ça rendait bien en x2. J'avoue que voilà, je sais plus quel épisode c'était. Hein. Ah, t'es du Nord? Ah, c'est bien. T'es quelqu'un de bien alors. Parce que moi aussi, je suis du Nord, forcément. Bon, bah voilà. Après, on va pas en focus dessus alors qu'ils sont en train de dormir, c'est pas très intéressant. Par contre, j'enregistre, c'est vrai, hein, ça évitera de recommencer tout ça. Ce serait dommage. Les déconvenues me sont déjà tellement arrivées. Il est 3h30 du matin. Ouais, mais elle a envie de pisser. J'ai dit, ouais, bah. C'est une bonne heure pour aller pisser. Pourquoi d'ailleurs c'est pas éteint ça? Franchement. Heureusement qu'on n'a pas de voisin, vous imaginez? Bon, bah, t'iras prendre un bain de mousse, tiens, ça te fera du bien. Et pour l'instant, ça y est, il est plus triste ni rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui va claquer? Enfin, on sait pas, hein. Ah bah, il y a Théo qui va mourir. Enfin, bientôt, parce qu'il est vieux. Qui d'autre est vieux? Rory. Ah bah, c'est ça, la femme de Théo, forcément. Ils vont s'emporter l'un et l'autre dans la tombe, hein. Mais il en connaît du monde, hein. Pfiou, toutes ses anciennes conquêtes et tout. Il y a Léa aussi qui va bientôt y passer. Pour l'instant, on n'a pas à le recaser, hein. Je ne sais pas si Macy ou Jean-Pierre, ils ont fait leur vie ailleurs, hein, parce que on verra bien qui gagnera. Peut-être que ce sera encore quelqu'un d'autre avec qui il va se marier. On ne sait point. En même temps, c'est le milieu de la nuit, j'allais dire. Il est pas levé, lui, mais oui. C'est juste que c'est Bordeaux qui fait n'importe quoi. Bah tiens, il a mis son costard. Là, il est tout bien habillé. Tu vas préparer le servir le petit déj. Un poke aux oursons en gélatine loufoque. Allez. Ça doit être dégueulasse, par contre, avec des trucs en gélatine. Ça doit être vraiment dégueu. Enfin, je sais pas, peut-être qu'aux États-Unis, ils sont habitués, mais... Il n'a pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. Ben, on verra, hein. Tu sais quand tu commenceras un nouveau challenge? Je pense en janvier parce que je pensais le faire avant, mais là comme je me suis entrepris dans le calendrier de l'Avent, ben, ça me demande du temps pour créer les maisons, les chercher, m'entraîner, parce que des fois je veux faire un truc et finalement ça marche pas, donc je laisse tomber, je recommence autre chose. Et que j'ai... Là j'ai 10 jours d'avance, mais il faut que j'en fasse encore du coup 9. Donc ça va demander un peu de temps. Et j'ai pas fini, j'avais eu d'autres idées concernant le challenge. Et il faut que je finisse de les réaliser. Puis après que je commence à créer mes persos et compagnie. Que tourner la première vidéo ne serait-ce que pour vous présenter les persos et les règles. Parce que vous ne les connaissez pas. Mais je pense que du coup ce sera ça, soit si c'est pas janvier, ça sera vraiment fin d'année, quoi. Et que ça n'intéressera personne vu que tout le monde sera obnubilé avec Noël et Nouvel An. Donc je le sortirai au pire, mais si je l'enregistre avant et tout, je le ferai. Je la sortirai en janvier, comme ça. Ça sera fait. Salut Bubu! Comment tu vas? Tu feras une maison pour 8 personnes. T'inquiète! T'inquiète. T'inquiète, maman grenouille. Il y en a même des maisons pour 40 personnes. Non, je rigole. Peut-être pas, mais ouais. C'est toi qui l'as inventé. Le Lord and Lady Challenge, ouais. C'est moi qui ai inventé, qui ai tout écrit, et du coup, bah, j'ai eu d'autres idées, donc je suis en train de les rajouter. Enfin, juste avant que j'aie eu l'idée de calendrier de l'Avent, j'étais déjà en train de rechanger quelques petites choses, des ajouts. Donc j'étais dessus. Je me suis dit, bon, bah, ça va retarder le truc. Et puis après, j'ai eu l'idée de calendrier de l'Avent, donc ça m'a encore plus retardé. Voilà. Bon, tu vas te lever, toi? Ah! Tu vas prendre une douche, tu vas pisser et tu vas manger. Oui, je sais que ça rend les trucs enjôleurs, là.
Cette douche qui fait flipper quand même. Ah non, mais il est bien. Alors, Marie, il est vraiment pas bien gaulé, hein, ce garçon. Hein. Ça vient pas de Bordeaux. Hein. Celui-là, il a bien perdu de son poids, mais il reste bizarrement gaulé quand même. Hein. Ah, vous êtes trop mignonne, merci. En fait, tu fais un truc spécial pour le nouvel an. Bah, un stream. Ça se disait, ouais, avant que tu arrives, j'ai dit justement cette année, je ferai rien pour Noël et Nouvel An. Bah, Nouvel An, c'est sûr. Hein. Mais Noël, finalement, ma voisine n'étant pas là, j'ai pas envie de laisser mes chats à par dépit à quelqu'un d'autre dans mes voisins. Donc, du coup, je vais rien faire, je reste à la maison. Mais pourquoi? Mais ils sont déjà pourris! Oh, bah écoute, tu les bouffes, hein. Tant pis, on n'a pas le temps. Mais c'est pas les mêmes! Oui, il est déjà parti bosser. Penouche! Et c'est lesquels qui sont pourris? C'est ceux-là. Mais il y en avait des tout bien et lui il prend les pourris. Mais franchement. Allez. Réagir à la première neige. Oh! Il neige sur Strangerville. Ouais, va en cours. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. Lui il travaille dur, c'est très bien. Alors, on est jeudi, il va se faire des amis. Croiser les doigts. Hein. Qu'ils soient un peu sociables, cet enfant. Pour l'instant, il n'y a personne. Je vais jeter ces saletés là. Parce que eux, ils vont pas être foutus de le faire. Hop. Hop. Et hop. Oh là là. Hé, hey, il s'est fait. Alexandre Rousseau qui est vert. Vert de jalousie, sûrement. Mon Dieu. Alors, 2380, et lui, il est revenu avec un A. Alors, voilà, et sa seule connaissance de la journée, c'est cette chose verte. Je suis ravie. Ravie, Jacob. Tu vas regarder la télé. Tu vas manger un truc? Oh là là, c'est quoi ces états d'âme, là? Allez, va regarder la télé, hein. Tu regardes la télé avec. Oh. Alors, voilà. Foucault devrait commencer à réfléchir à des études supérieures. Attendez. Dans 5 jours, ouais. Ouais, on va le faire postuler. Avec les notes qu'il a. Regardez. Il a A déjà. Donc peut-être qu'il aura un truc prestigieux, on ne sait pas. Si que ça nous envahit la ville, c'est ça. Un homme vert. Je pense, j'ai rien du tout prévu cette année comme je bosse ce jour-là. Ah ok, pas de soucis, hein. Il a 2 pieds gauches en plus des 2 neurones qui se touchent pas, on va le féliciter. Ah c'est cool Alexa! Bon bah de toute façon après moi je ferai même si j'ai 0 viewer, je serai en stream et je ferai ce que j'aurai envie de faire du coup. Il y a moyen que qu'on puisse s'éclater. Enfin s'éclater. Oh là là! Vas-y, tu vas prendre une douche froide, ça va te calmer. Ah non, mais arrête avec tes lavages de main. Vous me cassez les pieds avec vos lavages de main. Oui, mais si. Je préfère que tu viennes à la maison. Oh, voilà, il va voir son fils tout nu. Oh, mon Dieu, regardez. Oh, mais il en a une plus grosse que moi. Mais je suis jaloux. Quel beau gosse. Ah, est-ce qu'il doit faire ça aussi? Mais papa, regarde-moi pas mon zizi. Vas-y, va faire tes devoirs. Vivement le week-end qu'on puisse le faire bosser un peu. Sur ses compétences. Là, dès qu'il a fini ses devoirs, mais là il est enragé, donc il aura rien envie de faire. Ah si, on lui fera la fusée alors. Mais pourquoi tout est pourri? Mais pourquoi vous bouffez des trucs pourris? Vous êtes cons ou quoi? C'est pas possible. Sont bêtes? C'est pas possible. Tu penses refaire un peu un live comme les deux cas, jouer avec le viewer ou juste jouer comme d'habitude? Bah, je verrai bien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense que vu que ce sera vraiment à la cool, il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Ouais, carrément. Quelle idée d'aller voir son fils aussi. C'est ça. Je mettrai des pouces levés à Alexa King et Nightbot n'a pas aimé. Bah, pas trop en fait. Je crois que c'est 3 emojis max. Sinon, après, il est. On va être nombreux finalement. Bah, c'est cool.
Ce matin, un jeune a pété une boule. C'est dommage pour la boule. Calme-toi! Mais... Oh, les ados, mon Dieu! Ils sont comme ça dans la vraie vie, les ados? Le mec, il est vénère! Puis à un coup, il fait... Ouais, t'as vu, je suis beau gosse. Il m'épuise, hein. Fais tes devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais arrête, tu vas pas dormir! Oh là là, il a vu le zizi de son fils, mais en même temps, c'est vrai que tu l'as jamais vraiment vu, le zizi de ton fils, vu que tu t'en occupais pas. C'est vrai, au final. Allez, tu vas faire un peu de fusée. Oh, regardez, le soleil, il se couche. Il est énorme, ce soleil. Il va tous les engloutir. Quand le soleil explosera. Deux emojis, le... Ah oui! Ah oui! Deux? Non, j'avais paramétré pour trois. Voilà. Je sais pas. Le syndrome Snapchat, c'est ça. C'est un gros n'importe quoi. Allez, construis-toi fusée, toi. Niveau 10, hein, Coco. On a pas que ça à faire, hein. On est au 3. J'en peux plus, il va bientôt grandir, quoi. Ça va être ouf. Il va déjà devenir jeune adulte, hein. La phase adolescente, elle passe super vite, hein, regardez. C'est dingue. Bon, elle se construit tout doucement. Parce que il n'agit que ici, mais ça bouge là-haut. C'est normal. On va lui essayer quand même de faire terminer ce cycle-là, là. Peut-être que ce sera le bout de la... Le bout de la boue. Le bout du bout. Ah, mais non! Mais alors? Ben si, il bouge plus sur ça. Il admire. Qu'est-ce que tu fous? Oh, mais t'es pas fatigué. À ton âge, à minuit, ils sont pas fatigués, les jeunes. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez! Allez! Oui! Regardez! Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Ta 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 ta! La fusée! C'est normal d'avoir ça dans le jardin, voyons. Et qu'est-ce que vous dites? Attendez, c'est pour la miniature. Ou peut-être, hein, je ne sais pas quelle miniature je mettrai. C'est bien! Braval! Ah, c'est bien. T'as mérité ton dodo. Avec la musique. C'est Star Wars! C'est Star Wars dans mon casque. Regardez, même depuis sa chambre, on la voit sa fusée. Oh, c'est magnifique! Nous avons bien travaillé et d'ailleurs, je vais sauvegarder. Bravo Pulco. Oui, oublié d'appeler le SAMU et une ambulance. Une amputation finale. Quoi? Oh mais Quentin, arrête de raconter des horreurs. Non, les jeunes, c'est le matin qui sont fatigués, jamais le soir. Ouais, comme moi. Je dois être encore jeune alors finalement. Finalement, je ne suis pas si vieille que ça. Le pire, c'est que... Et ça arrive... Parce que là, je travaille pas, mais... Quand au boulot, j'étais, mais genre, la tête dans le cul, mais tous les jours, mais... 4h30 du matin! Il me tue. Genre, mais je dormais dans le métro, je m'endormais debout, assise, tout ce que tu veux, et tout. Je dis, ah, punaise, je vais pas tenir ce soir, je me couche tôt et tout, je suis fatiguée. Je rentrais chez moi le soir, c'était pop, 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 pop. Et je me couchais aussi tard que d'hab. Ouais. Je dis, bah, d'accord. Ah, tu me saoules. Réseau social, tu vas mettre en ligne une vidéo virale. Je suis pas sûre qu'ils apprécient, mais je m'en fous. Et tu vas jouer à Blick Block. C'est vrai que ça, il y a longtemps qu'il n'a pas... Qu'il n'a pas courtisé. Putain, la musique, j'ai eu peur, je croyais que c'était une vidéo d'autre chose. Hein. Qu'il n'a pas courtisé... Ah si, 70 abonnés. Ah. Il faudrait peut-être qu'on rappelle quelqu'un pour lui. Emmanuel. Alors, une ancienne conquête qui... Oh, t'es pas mal, toi. Olivier Faure. La Nani, on l'avait pas... va falloir qu'on l'appelle... On appellera Rana Lani, alors. Tu vas lui envoyer un SMS de drague. Histoire de raviver la flamme.
Elle va bien sûr l'appeler en disant tu veux venir avec moi à tel endroit? Parce que ça marche comme ça dans les Sims. Vous envoyez un SMS de bonheur ou un SMS de drague, et puis après vous avez une invitation du Sims. Et je dis ça, et puis c'est à ce moment-là qu'il n'y en aura pas. J'adore ton calendrier de l'Avent, et c'est terriblement parfait pour moi. Je suis trop nulle en construction, mais j'aime bien faire un. Ah, ça me fait plaisir, Bubu. Bah, c'est fait pour. Après, parce que j'aurais jamais eu le temps de tout meubler, en fait. 24 maisons. Déjà, la construction de l'extérieur pour pas qu'elle se ressemble, c'est déjà quelque chose, je pense, d'assez. Il faut être éclectique, hein. Et en plus, faire l'intérieur qui ne se ressemble pas, j'ai dit, ouais, non, on va faire la coquille, c'est bien aussi. Puis ça permet aussi d'avoir l'imagination de chacun. Comme par exemple, le manoir qui est sorti aujourd'hui, bah, à l'intérieur, ça peut être très moderne, par exemple. Vous changez le papier peint, puis vous cassez les murs, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez faire un truc de très moderne, en fait. Je pense que c'est ça qui peut être sympa. Vas-y, tu vas manger et tu vas pisser. Oh, tu obéis Mais toi, tu iras pisser avant alors. Tout. Voilà. Eh oui, t'as faim, mon petit, mais oui. Regarde comme il est mal gaulé. Il a pas assez d'épaules. Il a le torse bombé, mais. Ah, il est pas bien fait. J'aime pas. C'est pas les Sims que j'aime bien quand ils sont faits comme ça. Ah bah, elle a pas reçu ce moment-là, Marie. Dommage. Mais oui, t'es toujours jeune, encore maintenant, tous les matins, je me dis ce soir au lito, et c'est toujours à 1h du mat alors que je me lève à 6. Ah ouais! Ouais. Alors moi, je me levais pas à 6, mais je me levais à 7h30, même pas 7h30 pour aller bosser, et je me couchais à partir d'1h40. Mais sur la fin, c'était plus du 2h30. Et encore, ouais, c'était dans les 2h, 2h30 que je me couchais. Donc, je dormais pas beaucoup non plus. Ouais. C'est le boulot qui nous fait ça. On est allergique, en fait. Une fois, d'ailleurs, tout bête pour nous, c'est la pleine forme. Mais c'est ça! Mais Linette, t'as complètement raison. Moi, je veux dire, là, ça va faire un... Ça a fait depuis le mois de janvier que je travaille plus, là, les filles. Hein. Enfin, les gens. Et je suis très bien comme ça. J'ai pas envie de reprendre, mais il va falloir parce que financièrement c'est chaud parce que bah chômage c'est pas voilà, c'est pas GG merde. Mais il va falloir. Ah, faire des heures sup, accepter son résultat. J'ai pas lu. Oh, il a eu le temps de rencontrer Justine à l'école. Est-ce que Justine est plutôt bonne? Justine Garnier. Elle est blonde. Elle est blonde. Mais elle n'est pas verte, c'est déjà un très très bon argument. Oh punaise. Bah ouais, mais je le fais bosser, hein. T'es censé pas avoir beaucoup d'amis, mon petit, hein, je te ferai dire. Regardez-moi, il va avoir une performance excellente. Oh là 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 là, regardez ça. Est-ce qu'il y a une note au-dessus du A? On ne sait pas. Est-ce que Pulco va l'explorer? On va peut-être arriver à Z, hein. C'est au-delà du A, on remonte l'alphabet. Qui sait quoi? Mais Damien Dubois, on s'en fiche? Étudier la législation. 2380 Simflou, célébrité une étoile et de nouveau une célébrité. Alors, fantastique, Pulco va pouvoir profiter de son week-end en sachant qu'il fait partie des meilleurs élèves de l'établissement lycée Buckingham. Il pourrait peut-être passer un moment à faire des devoirs permanents d'améliorer. Ouais, en fait, tu le vois comme il a besoin d'être diverti. On va lui faire jouer, hein, Joujou. Il va faire Joujou. Lui, il est. Ah, ouais, allez, on va lui appeler quelqu'un parce que là, il n'en peut plus. Nalani, tu peux venir? Parce que là, il a besoin, là. Il a un trop-plein dans le slip, là, Bordeaux. Il a. Sois pas vénère. Elle va arriver. Voilà, regarde. Elle te regarde comme ça. Tu vas l'inviter à entrer. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, tu vas éliminer sa journée. Tu vas lui embrasser les mains. Ah, ça va mieux, heureusement. Tu vas la taquiner de manière malicieuse. Tu vas la draguer en racontant une blague. Ça lasse la blague, évidemment. J'en ai marre qu'ils laissent leurs assiettes partout, je vous raconte pas. Ah, tu vas s'en complimenter sa tenue. Tu vas raconter une histoire scandaleuse. Conversation désagréable. Tu vas t'excuser avec élégance. Ah, c'est bon.
Elle est enjôleuse, ça y est, elle est chaude. Comme la braise. Tu vas lui offrir une rose. Bon, ça augmente un petit peu. Ah ah! Alors, attends. Amour, enlacé. Juste histoire d'y aller progressivement, voyez. Un petit peu d'amical. Et puis du love, de l'amical, du love. C'est comme ça que ça marche. Regardez, rapprochement physique. Elle... Accommodante! J'allais dire, elle est pas contre, mais informelle. Ok, d'accord. Va savoir, qu'est-ce que tu veux, meuf? Parce que là, tu sais, Bordeaux, il a besoin de... d'activité physique. Mais bon, elle est pas contre, hein. Donc, vous voulez qu'on fasse ça où? Dans la douche, dans le placard ou dans le lit? Dans la fusée, un peu? Pas encore. Pas encore. Attendez, je vous lis, parce que du coup... Tous les PNJ mecs sont tellement manches par rapport au tien. Ah, mais parce que là, c'est la plupart, c'est des PNJ... c'est ma communauté qui les fait, hein. Tac-tac-tac. Qui c'est qui dit à la prochaine? C'est Quentin. Je suis simplement perdue sur la suite. Je suis comme toi, pas en vie pour... en ce moment. Je... Ouais, mais bon, il va falloir, moi. Bon, alors. Tu vas quand même la taquiner, lui taquiner le goujon, là, elle, hein, parce que bon. Tu vas la toucher dans tous les sens, tu vas discuter avec elle, regarde. Oh, elle a envie de faire ça dans les toilettes, je crois. Enfant des îles. On s'en fout. On s'en fout. Je me levais à 5h30, infirmière, l'horreur. Oh la vache, oui. Encore 2 ou 3 ans pour appeler le matin pour me faire son petit déj. Aïe, aïe, aïe. Oh, vous avez du courage à faire des mômes. Moi, je peux pas. Mais en même temps, j'en veux pas et je pourrais pas. Parce que ça se fait pas tout seul. Et j'ai pas les moyens pour non plus, hein, je veux dire. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, y a rien qui... Y a rien, moi je veux pas. C'est pas pour moi. Si on peut l'infuser... Bah là, on peut pas. Bordeaux a besoin d'amour, bon. Allez, on va faire ça dans la douche. Ah, j'ai eu peur. Allez, dans la douche. Erika Sakamoto, on s'en fout. Bon, il a faim. Bon, il va manger de la salade, c'est pas grave. La blague de beauf. De la salade tahitienne, c'est Nalani qui donne la sienne. Oh, 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 oh. Rinshu. Voilà. On va retourner sur Pulco. Pulco, tu... Ouais, ouais, tu vas faire ça, tu vas manger. Il va encore manger des trucs qui pètent. Allez, active-toi. C'est pas encore ton âge, le crac-crac sous la douche. Oh, il a mis plein de saleté. On a encore les feux d'artifice qui s'entendent, mais eux, ils sont sortis. Voilà, ça va mieux, Bordeaux. T'es bien, là. Oh là là, oh là là. Oh, il est heureux. Oh, il est content. Je suis Kanta. Moi, je voulais dire, je suis Kanta. Et en plus, elle fait le ménage juste derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Oula, j'étais où, là? J'étais dans la matrice, hein. Mange tes saucisses. Pff, attends sa réponse. Contrôle des émotions diminue. Je t'en fous, moi. Allez, mange. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Améliorer. Ah, oh, on peut déjà mettre des trucs. Agrandir le réservoir. Allez, vas-y. Agrandis-moi le réservoir de carbubu. Ah, c'est pas la même bubu, hein. Placard. Ah, zut! J'ai raté. Excuse-moi, Angèle. J'ai fait dans la douche, du coup. Bah, c'est la nouveauté aussi, hein. J'abuse un peu. Oh, il se fait son chocolat au lait, mais il a toujours une excuse. Je me vanterai à l'adolescence. Ils ont toujours des excuses. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, hé, toi, tu vas pas te coucher aussitôt, hein. Oh là là, mais c'est quoi ce vieux, là? Il est 20h30, il était déjà au lit, lui. Oh la vache. C'était sympa, tu m'étonnes. Ah voilà, le petit prout. Le petit prout qui va bien. Arrête avec ton téléphone, Pulco.
Lui, je sais pas ce que ça va donner dans l'espace, hein. Parce comme il est maladroit, il va en faire des conneries. Hein. Je sais pas, il va défoncer la lune avec sa fusée. Bon, après, c'est une petite fusée, mais sait-on jamais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Macy! Non. Macy, elle a envie de renouer un peu. Ah, oh, mais tu peux l'appeler par contre, Bordeaux. Si tu veux, tu peux discuter avec elle. Elle est où? Oh, elle est descendue, hein. Vas-y. Non! 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 Discuter. Allez, Pulco! Pulco! Pulco citron! Mais oui, mais tu feras la grasse mat demain, t'inquiète. Quand on voit lui, il a vraiment pas beaucoup de connaissances, hein. Son père, sa mère, sa tante et son cousin, et ses grands-parents. Et son nounours. Mais moi, vu que j'en veux pas, que j'en ai pas maintenant, moi, c'est mort. Oh, tu sais. C'est pas très grave. Du moins que t'as un chien en plus, toi, donc c'est ton bébé, voilà. Déjà dans les Sims, c'est les gamins, ça saoule, c'est clair. Surtout quand ils sont bébés, qu'ils arrêtent pas de pleurer. Et les bambins, ils sont adorables, ils sont mignons, mais des fois, ils sont. Oh, chiant. Ah, c'est bien! C'est bien, Pulco. C'est bien, Pulco. C'est bien, Pulco. Tu as bien travaillé. Voilà, Bordeaux, maintenant tu peux vraiment dormir. Ça va. Il est l'heure. Enfin, 22h30, ça reste hyper tôt pour moi, mais la seule fois où il y a eu 22h30, je m'endors, c'est je suis malade. Il n'y a pas d'autre choix possible. Ou alors, j'ai fait une méga insomnie la veille. D'ailleurs, j'en profite pour, encore une fois, sauvegarder. Voilà. Deux marmots, ados tous les deux. Donc à moi la belle vie maintenant et même pas 40 ans. T'es une jeunette, maman grenouille! Avec tes grands crapauds. T'as commencé tôt. Donc après, bah voilà. On est samedi. C'est très bien. On va pouvoir faire à fond les compétences pour Pulco. Ça va être bien, 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 bien. Ça va être très, très bien, je pense. Il va se faire enlever dans l'espace prisonnier, le pauvre. Mais c'est ça! Il va y avoir que des bricoles à lui, je le sens. Hein. À chaque fois que ça sonne, j'ai peur. Ah non, c'est quelqu'un qui est mort. Non? Parce qu'il est triste là. Si putain, il y a quelqu'un qui est mort. Oh, qui c'est qui est mort? Mais on n'a pas la. C'était l'autre là, la Macy qui cassait les pieds. Qui c'est qui est mort? Lui, on savait qu'il était déjà mort. Jonathan, moi j'en sais rien. Jaco, Stéphane. Ah bah c'est elle! C'est elle, parce que tout à l'heure j'avais regardé qui c'était les vieux et elle était vieille. Ah voilà. Est-ce que tu bosses toi? Non! Super. Oh, il fait la vaisselle! Mais dis donc, s'il faut qu'il soit déprimé pour faire la vaisselle, faudrait il faudrait qu'il ait des morts plus souvent. Non, bombe émotionnelle! Non! Qu'est-ce que tu fais? Jouer dedans, mais tu vois rien jouer dedans, oui. Nunuche! Donnez un coup de pied, vas-y, donne un coup de pied. Donne un coup de pied. Ça fait baisser? Pas trop. Allez, tu peux me jeter ça. Il est où? Il est là-dedans, d'accord. Il faudrait pas que je lui fasse revoir ça. Hein. Voilà, tu vas te donner des paroles d'encouragement, ça te fera du bien. Pendant que Pulco, qui n'a pas dormi jusqu'au bout, hein. Lui c'est samedi, mais il se lève là même pas à 7h du matin, c'est logique. Je les plains ceux qui n'arrivent pas à faire la grasse mat comme ça. Ouh. Eh bien en vrai, je préfère la partie bébé, il savait pas encore parler parce que qu'on est à fond dans les pourquoi, comment, qui, quand, j'en peux plus. Oh ma pauvre. Bah, c'est vrai que bébé à Paris, il hurle tout le temps, enfin tout le temps, je parle dans les Sims. Hein. Dans la vraie vie, peut-être pas. Mais ouais, ils servent pas à grand-chose, quoi. C'est des machins comme ça, là. Ça peut, ils sont mignons, tu vois. S'ils hurlent pas, ils sont mignons. Bon, émotionnel. À 24 ans, et ma première arrive dans quelques semaines. Oh!
Bah c'est cool, Sianana. J'espère que ça te dégoûte pas ce qu'elles sont en train de raconter. Mais bravo pour toi, c'est cool. Dans quelques semaines, donc c'est pour quand? C'est pour décembre ou pour janvier? J'avoue, après, ils te posent des questions cheloues. J'en ai pas, mais j'ai été victime de questions bizarres. Mais moi, mes neveux et nièces, ça va, ils ont pas été trop. Je me souviens pas trop de cette période-là. Des questions bizarres ou autre. Alors, petit Pulco. Oh, et bah, il fait ses devoirs, mais qu'il est mignon. C'est vrai qu'une fois qu'il les a fait comme ça, on est tranquille. Hein, on pourra passer sur les compètes. Ce sera bien. Janvier! Ah, c'est bien. J'ai une nièce qui est du 9. Ou alors, tu t'en fous, mais si au cas où elle naîtrait le 9, bah voilà. Salut, Miss Yoko. Excuse-moi, j'ai un peu bugué sur ton pseudo. Oh, Bichon! Oh, Morgine! Bordeaux, dans le monde des affaires, la réputation est essentielle. Bah oui, bien sûr, on va prendre un boulot de rang 5 alors qu'on a un rang 10. Oui. Normal. Ah là là, ça y est. Bon, écoute, tu iras nettoyer les chiottes, ça te calmera aussi. C'est quoi? Piéger les toilettes? Non. Ah là, Pulcote! Pulcote, voilà, c'est nouveau pseudo. J'aime mieux une femme qui prend la décision de dire non à la matinée que d'avoir des enfants à cause de la pression sociale et devenir une mauvaise mère. C'est exactement ça, Caro. Moi, je ressens aucune pression. Je pense qu'aussi, dans ma famille, ils ont abandonné. Ne serait-ce que la question qui tue. Hein? Et toi, t'es un copain? Allez vous faire foutre, quoi. Je ne vis pas en fonction des autres, quoi. C'est fini. J'ai pas envie de vivre en fonction de quelqu'un, d'un mâle ou d'un enfant, en fait. Moi, j'ai pris conscience de ça sur le tard, mais j'ai pris conscience et je l'assume. Et j'en suis fière. Voilà. Oups, Sitson! T'as mis trop de smiley! Oui, c'est bien pour ça que j'ai le temps de rattraper les vidéos. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit en plus, Yanana. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, tu me l'avais déjà dit, j'ai zappé. Salut, Switzen. Alors, tu as raté quoi? Eh bien, tu as raté quoi? Oh, allez, on va faire un don de 1000 simflouz. Tu as raté quoi? Pulco, il a perdu un peu de gras, il a fini de faire sa fusée. Donc là, on est déjà sur la deuxième amélioration. Et puis c'est le week-end, donc c'est cool, on va pouvoir bosser ses compétences à fond, donc qui est donc physiologie, bricolage et la logique que j'ai pas encore commencé. Voilà. Et puis Bordeaux, ben Bordeaux, lui, il était déjà au niveau 10 la dernière fois, donc il fait sa vie. On a invité Nalani hier parce qu'il était en manque d'amour, le pauvre. Et puis voilà, on se concentre sur Pulco maintenant, c'est le héros, hein. On a tout à faire avec lui, donc. Donc voilà, on est le week-end, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les compétences. Les améliorations, les compétences, tout ça, tout ça. En physiologie, on est déjà à 4, on sera bientôt à 5. Amélioration terminée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait que ça malice, lui? Qu'est-ce qu'il. Il troll les forums, d'accord, tout va bien. Améliorer. Installer des stabilisateurs. Ah bah écoute, vas-y, hein, franchement. On est là pour ça. Et puis Pulco, il a fait connaissance avec deux personnes au lycée. Alexandre, qui est ouvert. Et Justine, qui est une blonde, peut-être mignonne. Ce qui pourrait peut-être aider pour la future descendance à créer bientôt. J'ai mal au dos. Les gens, j'ai l'impression que je me suis refait un lumbago. Tout à l'heure, je me suis penchée pour aller choper ma super guirlande derrière, là, de Noël, là. Et j'ai mal au dos depuis, mais c'est pas au même endroit que la dernière fois. Donc, ça me fait un peu mal, ça me tire un peu, là, mais j'attends de voir si ça empire ou pas. De toute façon, pire, j'irai chez un médecin, mais. Mais ah, c'est pas aussi, ça me fait pas aussi mal que le lumbago que j'avais eu. Là, j'avais douillé, hein. La pire question que j'ai eue, c'est ma fille qui m'a posé, c'est quoi la gravité? Elle avait 7 ans. Dur, dur à expliquer. Tu m'étonnes! Déjà toi-même, tu conçois à peine la chose, en fait. Niveau 5 de la physiologie. Yeah. Tu conçois à peine la chose, tu sais que ça existe et que ça, que tu, voilà, ça existe sur la Terre. Mais comment, pourquoi? Ben, en fait, on ne sait pas. Nous, commun des mortels, on ne sait pas. On n'est pas scientifique, quoi. Donc c'est un peu chaud.
Les questions qui tuent, c'est clair. Bon, après ça, tu vas nous faire quoi? Mais répare pas, toi! C'est à ton fils! Oh! Tiens, va faire de la gym. Tiens, va faire de la gym un petit peu. Tu vas faire t'entraîner. Pas de la gym, du sport. On va faire ta amélioration réussie. On va peut-être pouvoir faire son premier voyage, hein. Ah, mais il y a toujours des trucs à amélioration des pauvres. Oh, attendez, on va passer à autre chose. Là, vu qu'on est au 5 en physiologie, on doit encore améliorer le bricolage. On est à 4, donc on va lui faire faire des trucs. Étagère murale et puis tabouret de bar, voilà, c'est bien. Et peut-être qu'on va commencer à le mettre à la. On va un peu travailler son aspiration aussi. Lire un livre et puis compétences logiques, quoi. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Pendant que lui, il se muscle. C'est tout, Bordeaux? Vas-y, va faire un. Va nager. Tu peux pas nager en étant. Faire des longueurs. Vas-y, fais des longueurs, mon petit. Vas-y, mets-toi en petite tenue. Plouf! T'as failli te bouffer le bord, hein. Je dis ça comme ça, hein. C'est bien. Alors, bricolage. On arrive bientôt au niveau 5, c'est bien. Voilà. Continue. Oh, il s'est fait mal au doigt, le bichon. Au moins, arrive au niveau 5, ce sera déjà bien, tu sais. T'avais eu des picousses pour ton amago? Ah non, non, du tout. J'ai eu des médocs pour décontracter, tout ça. Et c'est passé, quoi. Bon, j'en ai eu pour une semaine de médicaments, mais. Ah non, les piqûres, j'en ai horreur. Hein. J'ai une phobie des piqûres, moi. Moi, je déteste ça. Hein. Ouh! Tu me fais voir n'importe quel film d'horreur, j'aurais pas peur. Mais alors, tu me fais voir une vidéo avec une piqûre. Ah, je suis comme ça, je peux pas. J'ai horreur de ça. Les aiguilles, ça me boue! Tant qu'il va pas dormir. Niveau 5 de bricolage, on est déjà à la moite-moite. C'est bien, c'est beau ça. C'est bien, mon petit. Tu vas lire un livre. Alors, lire quelque chose, vas-y, on s'en fout. Il y aura des trucs à réparer après, mon petit. Mais t'as fait tes devoirs, tu les as pas mis dans ton. Ah, tu les as pas fait. Bah, tu les feras. Tout, 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 tout. Tu nous lis quoi d'ailleurs? La première licorne. Ah, mais il a bon goût ce garçon. J'attendais parce que mon papa est marron. Parce que. Attends. Alors, j'ai pas entendu. J'ai fait des babysitting avec le petit 4 ans. Il m'a demandé pourquoi moi je suis beige et toi t'es marron. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai qu'on dit marron, c'est vrai que c'est plus la couleur des gens noirs en fait, qu'on les appelle les noirs. Mais en vrai, ils sont juste. Enfin, ça dépend de la peau, parce qu'il y en a qui sont vraiment la peau très très noire. Mais il y en a, ils sont plus marrons. C'est vrai que la peau, elle est plus marron, quoi. Mais c'est rigolo, en fait, qu'un enfant dise marron. Parce que mon papa est marron et il m'a redemandé. Oui, mais pourquoi ton papa est marron? Oh, c'est trop mignon! Mon courage, en plus, l'imbago, ça fait hyper mal. Et j'en ai eu un au mois d'avril, je sais. Mais là, j'ai mal, mais tu te dis, c'est un peu plus haut que la dernière fois. Et je sais pas. Je verrai bien si ça dure, bah, je retournerai chez le médecin, c'est pas un souci. Ah, tout ça pour une. Tout ça parce que j'ai pris la guirlande, franchement. Des fois, je vous jure. Mais il est déjà fatigué? 19 h. Alors, t'as fini ton bouquin ou pas là? Allez, finis ton livre. Ah, voilà, deux livres. Youhou! C'est bien, Pulco, je suis fière de toi. T'iras manger après. Pisser. Devoir terminé, voilà, ça c'est bien. Allez, tu vas faire ta petite vie. Mais pourquoi vous prenez toujours des plats dégueulasses qui sont pourris? J'en peux plus, moi. Y a plein de bouffe et ils prennent que les trucs pourris. C'est pas possible. Non mais ils mangent en étant sur les toilettes. Ça fait des communicants directs. Bon, ça va mieux? Tu peux jouer un petit peu? Allez, va jouer un petit peu aux échecs. Ah non, il mange encore, pardon. Ah bah! Il y a plein de trucs à réparer là. Il y a ton père qui vient de casser le PC. Ah oui, eh ben oui, hein, ben oui. Ouais, tu peux être là. Va chanter sous la douche, va pisser.
Oh là 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 là. Comment ça? Ah, parce qu'il est mal à l'aise. Ouais, va. Ah bah non, je croyais qu'il pouvait vomir, mais en fait il peut pas vomir. Non! Pas le verre d'eau! Ça suffit! Eh ben tant pis, fallait pas manger un truc dégueulasse. J'en peux plus, il me casse les pieds. Mais il l'a réparé quand même, ce sagouin! Mais c'est pas possible! Pff, Bordeaux, tu lui dis non, il le fait quand même. Vas-y, va réparer le PC là-haut, du coup. Tant que tu t'électrocutes pas, ça devrait aller. Voilà, bricolage. Oui! Bravo! Et alors, du coup, vous avez remarqué... Attendez, je sais... Pulco a obtenu des pièces d'amélioration suivantes, ça on est au courant, mais maintenant, quand il répare, il récupère des pièces de robot. Donc ça va directement avec le... avec l'université. C'est trop cool. Donc en fait, on peut réparer n'importe quel objet, on va récupérer des pièces de robot, on n'est pas obligé d'avoir le truc de station de robot pour avoir des pièces de robot. C'est bientôt l'anniversaire de Pulco! Aïe, 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 aïe. Dans 2 jours! Bon, on finit le dimanche et on s'arrêtera là. Il va postuler pour les universités et puis on verra ça pour la prochaine fois. D'accord, Quentin, pas de soucis. J'attendais parce que mon... Ah ouais, bah pour la réponse, parce que bah parce qu'il est d'origine d'un pays où... C'est vrai que la couleur de la peau qui soit différente comme ça doit s'expliquer, hein, mais on sait pas. En vrai, on sait pas pourquoi. Pourquoi les Asiatiques, ils sont ce type de couleur de peau, les yeux un peu bridés. Pourquoi en Afrique, ils ont cette couleur de peau aussi, tu vois? C'est rigolo quand même. C'est les mystères de la vie. Qu'est-ce qu'il a, lui? Saute d'humeur. Oh non, on casse les pieds. Moi, je vais enregistrer. Voilà, c'est fait. C'est comme ça. Regarde la télé maintenant. Quelle belle éducation. C'est vrai que c'est eux qui ont raison. Attends, j'ai pas dû lire. Oui, tu dois avoir raison. Je regarde la suite en rediff, c'est l'heure de la sieste avec ma fille. Pas de soucis, bah, de toute façon, il restera pas longtemps. Hein. Il va pas avoir se passer non plus très beaucoup de choses, je pense. Tu peux même acheter sur le PC cette pièce de robot. Ah oui, trop cool. À bientôt, Caro. Gros bisous, à bientôt. Donc là, il dort. C'est pas très intéressant. Mais, ah, il est 5h30 du matin, Bordeaux! Ah, mais en plus, il a cassé le truc, j'avais même pas fait attention! Allez, est-ce qu'il y a des trucs à acheter encore? Oui, jette-les. Cela, ça en fait trop. Et tu vas servir le petit-déj du pain perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, c'est une voisin-zin qui est là! Je suis un voisin et je suis un... Ça me fera toujours triper. Ah, moi, il me faut pas grand-chose. Hein. Et peut-être qu'on déménagera avec Pulco. Parce que là, ça fait un moment qu'on est dans la maison. Hein. Ça, on verra. On verra bien. Qu'on dise noir alors que techniquement, c'est marron. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. D'où ça vient? Je veux pas que tu rentres dans une phase, Pulco. J'ai pas envie. Allez, tu manges ça, après tu iras réparer. Eh bah trop tard. Punaise. C'est un garçon, hein, il a ses sautes d'humeur. Comme quoi, après on dit que c'est les filles qui ont des sautes d'humeur. Ben, punaise. Dans les Sims, c'est pas le cas. Hein. Oh là là. Allez, on va réparer. Non, c'est là qu'il faut que je regarde. Voilà! C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire faire aujourd'hui? Donc, tu vas aller faire un petit pipi, un caca en étant en colère, si tu veux. Un caca très très liquide, j'ai entendu. Non, non, c'est bon.
Te lave pas les mains, ça me saoule. Oh là 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 là. Va jouer. Voilà. Un petit peu de logique. On va travailler son aspiration aujourd'hui, allez. Niveau 3 de la logique et un troisième livre à lire. Ça devrait aller, hein. Oh punaise. C'est comment il s'appelle? C'est Hulk le machin, tu sais. C'est Hulk avant qu'il s'énerve, avant qu'il devienne vert. Ah mais peut-être que son pote c'est Hulk aussi. Sauf que c'est Hulk énervé. Qui sait? On sait pas. J'ai un petit qui m'a demandé en approchant de mon chien s'il aimait le marron sur le cou. J'ai cru qu'il parlait des marrons à manger, mais non, il me demandait avec ses mots si mon chien était raciste. Il m'a brisé le cœur, peu cher. Oh! Je lui ai répondu que les chiens ne distinguaient pas les couleurs et que celui qui avait dit ça s'était trompé. Oh, pauvre petit! Bah, en plus, les animaux, ils s'en foutent. C'est ça qui est beau avec eux, parce que leur amour pour l'humain, en fait, il est absolu, il est complet. Ils vont pas se dire, oh, bah tiens, elle est moche ou elle pue de la gueule. Ils en ont rien à foutre. Du moment que tu les aimes et que tu leur donnes de l'amour, ils vont te le rendre fois 15, quoi. C'est ça qui est magnifique. Donc, les animaux, ils s'en foutent. Complet quoi, de la couleur que t'as, la tronche, l'odeur, de l'étude que t'as, si t'as des poils dans le là ou aux oreilles, ils ont rien à foutre. Rien. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'aime les animaux. Il a la courante. Pauvre petit choupi. Regardez comment il mate son père. Je vais te tuer. Je vais te tuer un jour. Je vais te tuer. Ah, et il est pas mal au final, hein, Pulco. Hein? Ça va mieux, hein, une fois relooké. Bon, j'avoue, avec un peu de poids de moins. J'en ai rien contre les personnes qui ont du surpoids. J'en fais partie. Sauf que esthétiquement, j'aime avoir des Sims bien gaulés. Parce que j'aimerais être bien gaulé, mais je l'ai été, je ne le suis plus. Poil au cul. Voilà, c'était le mot de la fin. Non, parce que je voudrais pas que. Des fois, on m'a fait des réflexions genre. Pourquoi tu veux toujours que tes Sims elles soient minces? Parce qu'en fait, je trouve ça joli. En vrai. Voilà, c'était. J'ai rien contre hein, les gens dans la vraie vie, mais c'est vrai que même dans la vraie vie, j'aimerais être mince. Comme je l'étais. Il est vrai en plus cet amour. Bah oui! C'est des vrais amours, les animaux, ils sont. Ils aiment, quoi. C'est ça qui me rend le... qui me fait tellement mal quand je sais qu'il y a des gens qui osent leur faire du mal, mais c'est pas possible, quoi. Non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrête de faire la poule. Alors, on n'en est toujours pas au niveau 2, on en est loin. On attend de s'emmerder avec vous. Hein. C'est penser à leur santé aussi. Vie! Tout à fait. Bon, Ah non, il va pas être malade. Ça, tu peux jouer avec ton père à la limite, hein. Ça me dérange pas. Hein. Mais arrêtez de parler, de perdre du temps là, il faut que tu gagnes des compètes. Hein. Il est 14h, on n'a pas encore gagné un seul point là. Oh là 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 là. Je comprends les gens qui font du mal aux animaux, ça, il faut vraiment avoir un problème. Oui. Bah, c'est comme ça que les serial killers. Il y a beaucoup de serial killers qui ont commencé hein, en torturant des animaux. Hein. C'est qu'ils ont un problème dans leur tête. Hein. Mais joue, je t'ai dit. Oh, ça me casse les pieds de refaire la logique niveau 10 parce qu'on l'a déjà fait avec Pepper, quoi. C'est chiant. C'est vache, c'est redondant. Attention, on va arriver au niveau 2. Oui, braval. Allez, niveau 3, s'il te plaît. Joue avec ton père, si tu veux. Ah, tu me casses les pieds. Allez. Tu mangeras après. Alors, arrête d'être distrait, tu joues. Oh là là là, quelle perte de temps. Enfin, j'ai l'impression que ça va être très long. 18h. Mais qui suis-je? Allez. N'est plus compatible. Oh mais si, vous inquiétez pas, il sera responsable. Joue. C'est Bordeaux là, il manque de. Il a pas de vis, garçon. Il harcèle son fils. Arrêtez de parler! Ouh, bon sang!
C'est pire. Je suis pas au moins niveau 3. Mais! Après, tu vas aller refaire de la gym. Tu me saoules. Laisse-moi gérer la vibe avec ton fils. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me casse la... Voilà. Ouh là là. C'est comme aujourd'hui, en allant faire des courses pour un résident, j'ai croisé deux fois un petit chien dans la rue. Au début, je pensais qu'il était avec la dame qui passait, mais il était encore là quand je suis repassée. J'espère vraiment que son maître ne l'a pas abandonné dans le froid. Je serais bien restée pour en être sûre, mais je devais retourner à l'EHPAD, la stagiaire tout à l'heure. Oh! Oh, merci, Captain, pour le host! Et c'est mon tout premier host de toute ma vie! Merci, Capitaine! Le tout premier host! C'est historique, hein! Et c'est grâce à toi. Promis, si je deviens une serial killer, je commencerai par torturer les humains qui torturent les animaux. Oui, Alexa! On le fait ensemble si tu veux, y a aucun souci. On s'associe et on mangera des saucisses. J'aime pas trop les petits chiens, mais ça m'a fait mal au cœur. Ah, mais je comprends, Marie, hein. Pareil, hein, je suis pas très chien, mais j'ai déjà vu des petits bouts, même des gros bouts de chiens qui sont adorables, quoi. Et c'est tellement mignon. Niveau 8 fitness. Ah, je confonds avec Greg dans Voyage Surprise. Je lui mettais pas au niveau 10, mais non. Il va être gaulé, là, le petit Wardo. Ah, mais il est parfait dans la piscine, finalement. Allez, niveau 3! Et je te laisse tranquille. Oui! Allez hop, tu peux aller faire pipi. Et merci beaucoup pour le follow, Captain. Qu'est-ce que j'ai avec mon œil? J'ai l'impression que j'ai un œil qui est plus ouvert que l'autre. Et qu'est-ce que j'ai? C'est trop bizarre. J'ai un œil chelou, non? Vous trouvez pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il est pratiquement fermé. Et lui, il est ouvert. J'ai rien fumé, hein, je fume pas. Ah! Arrête de te laver les mains. Mange un truc. Pas un truc pourri, s'il te plaît. Ça changera. Voilà, c'est joueur. C'est bien. C'est bien, mon petit. Et puis, tu termineras à parler avec quelque chose dans la bibliothèque. Mais t'as pas fini de manger? Mais qu'est-ce que tu me fais? Elle va dire quelque chose. Mais après... Oh, mais c'est quoi maintenant? C'est plus les bambins qui font n'importe quoi? Mais regardez, mais il est complètement pété le bazar. Mange! Ah! Rebubu. Le live est diffusé chez quelqu'un ami. Oui, c'est ça. Allez, Yuski Malamute. Eh ben, les Malamutes, j'ai une copine qui en a un, justement, c'est... C'est énorme hein, comme chien. Je suis pas très gros chien. C'est un amour, son chien. Mon Dieu. Il est adorable. Il est vraiment très très beau. En plus. C'est quoi un host? Oui, bah oui, c'est un host, un hébergement. Ça veut dire que c'est diffusé sur une autre chaîne. Ça fait plaisir. Hein. T'es mon tout premier, ouais, ça fait plaisir. Parce que vu que YouTube n'a plus envie que je live, peut-être que je ferai que les lives exclusivement sur Twitch. Hein, je sais pas. Hein. Du coup, je pourrais être enfin affilié et faire le truc de l'affilié, parce que normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour être affilié. Dommage que les animaux, ça ne pas se venger de certains horribles. Ouais, c'est ça, Sweetson, je suis d'accord. Il devrait. Niveau de célébrité perdu. Oh, c'est pas très très grave, hein, on va pas pleurer. Hein. D'accord, il est en train de péter un câble. Tu finis ça et on aura fini ton aspiration pour aujourd'hui. Enfin, pas l'aspiration en entière, mais le premier palier, quoi. Ça, c'est cool. Ça, je l'ai déjà faite, cette aspiration-là. Une fois. Finis ton bouquin, je t'en prie. Je sais que t'es fatigué, mais tu vas dormir après, promis. Allez! Oui! Première étape terminée. Bravo! Réparer ou améliorer un objet. Bon, ça, on l'a déjà fait. Fabriquer un objet sur l'établi de Bénénice. Bon, ça, on l'a déjà fait. Atteindre 6 années de compétences logiques. Ben, c'est super! Eh bien, nous aurons bien avancé aujourd'hui! Oh! Il y a un truc que j'ai oublié de faire.
Il va postuler avant d'aller se coucher parce que c'est important. Parce qu'il va grandir bientôt. Dans un jour, il est adulte, donc oh, déjà. J'ai l'impression qu'il est ado depuis hier, quoi. Plus j'avais trop hâte de le retrouver parce que je voulais vraiment avancer sur ses compétences. Donc voilà, il a postulé. Maintenant, il va aller se coucher. Ouais, 2h40 du matin. Et on va s'arrêter là pour ce petit live. Et je vous remercie sur YouTube d'avoir regardé ce live, cette rediffusion. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.